Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir ici à Anfield. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Liverpool FC contre Chelsea. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un beau match. Thank you, Anfield. On est à Anfield, l'entre de Reds, qui est un stade à part. Oui, parce qu'en fait, l'émotion, tu la ressens juste avant le coup d'envoi, avec évidemment l'incroyable You Never Walk Alone, qui te file la chair de poule à chaque fois. Et il y a pas mal de joueurs, Rai notamment, qui m'ont dit que même sur le terrain, ça leur filait la chair de poule, et que ça les tétanisait même quelques minutes. Oh, le vilain tacle, où l'arbitre va sévir, à mon avis. Ah oui, et l'arbitre qui applique le règlement, tout simplement. Cette faute méritait bien un carton jaune. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Et c'est une touche pour Chelsea. Willian. Jorginho. Aspilicueta. Willian. Kanté. Olivier Giroud. Beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Attention à cette perte de balle au milieu. Il essaye de trouver la faille. L'entraîneur qui visiblement a demandé du pressing. Roberto Firmino. Ça demande. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oh, le ballon qui frappe la transversale. C'est rageant, mais c'est pas bien grave. Si cette équipe veut gagner ce match, le principal, c'est qu'elle se crée des occasions. Alexander Arnold. Anderson. Wijnaldum. André Robertson. Wijnaldum. Mohamed Salah. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Wijnaldum. Sadio Mané. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien son ballon dans les bras. Anderson. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Mateo Kovacic. Marcos Alonso. Un ballon qui est donné en profondeur. Cherche une solution là. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Chelsea qui se rapproche du but. Mateo Kovacic. Jorginho. Sandbaker, attention, il a lâché le ballon. Mohamed Salah. Anderson. Les Blues de Chelsea qui ont bien défendu sur ce coup et qui ont récupéré la balle. Ouais, belle intuition là, de N'Golo Kanté. Et le but signé Olivier Giroud. Olivier Giroud qui marque. Quelle efficacité de la part de ce joueur. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien, d'ailleurs. Il ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Chelsea a pris l'avantage. Goal for Chelsea. Number 18, Olivier Giroud. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, bien joué. Bon geste défensif. Mateo Kovacic. Jorginho. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Ouais, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Non,
La passe est coupée et bien défendue. Sadio Mané. Fabinho. Dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Jorginho. Il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Chelsea qui perd ce ballon. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Assez décevant hein, pour l'instant, Sadio Mané. Pas très... Et c'est parti pour la seconde période. C'est Chelsea qui a le ballon. Marcos Alonso. Mateo Kovacic. Jorginho. Allez, le centre maintenant. Il la joue un petit peu comme au hand. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Le Metz qui perd le ballon. Bien défendu, le ballon qui sort en touche. Kazuma. Kanté. N'Golo Kanté. Le patron du milieu de terrain de l'équipe de France en Russie. L'un des tout meilleurs au monde désormais. Oui, et puis c'est très rassurant de voir un joueur finalement aussi obscur sur le terrain atteindre un tel niveau de popularité. Par exemple, Deschamps qui joue au même poste, en tant que joueur, n'a jamais eu cette popularité, mis à part le fait qu'il était capitaine. Chercher une ouverture, bien sûr. C'est dans le paquet. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Le tir. Oh, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Marcos Alonso. Pedro. Anthony Rudiger. Mateo Kovacic. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ah, la bonne qualité de ses passes. Mateo Kovacic. Marcos Alonso. Ouais, Chelsea qui se trouve bien, qui fait bien circuler le ballon. Ça peut devenir dangereux. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oh, c'est pas fini, attention. Oh, c'est le gardien qui remporte le 1 contre 1. Et il est décisif là-dessus, il n'a pas paniqué, bravo. Ah, il est bien parti ce corner. Pas bien négocié ce ballon. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Et la touche sera pour les Scousers de Liverpool. Alexander Arnold. Anderson. Mohamed Salah. Firmino. Roberto Firmino. Oh, le but! Oh, le but de Reds! Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur une réaction de Liverpool. Sacré exploit individuel, vraiment. Il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissés. Et lui, les espaces, on le sait, il ne faut pas lui en laisser beaucoup. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Ouais, alors l'entraîneur, déjà que c'était pas la grosse rigolade quand son équipe met au score, alors là. Et ils égalisent donc un bout partout. Roberto Firmino.
Aspilicueta. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il préfère revenir dans l'axe. Willian. Et frappe contrée par le défenseur. André Robertson. Wijnaldum. Fabinho. Toujours égalité à 5 minutes de la fin. On sent que ça peut basculer. Les 30 derniers mètres. Fabinho. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Allez, il faut le mettre celui-là. Qui évite sans doute la défaite à son équipe. C'est sûr que maintenant on aura fait très mal. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Substitution for Chelsea. Qui va changer de camp. Il tire. Et il marque. Oh, le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match. Ils viennent de tuer le match là, hein, donc je ne sais pas trop comment ça allait finir, mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment. Attendez qu'on voit ce bout d'un autre point de vue. Oh, qui leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il nous faut. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Voilà, ils ont eu moins le ballon que l'adversaire, mais les Sochaux qui s'imposent. Un petit mot peut-être, Pierre, sur le match de Sadio Mané. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match.